ça va? Bon, juste moi rapidement, une petite historique rapidement, t'as commencé quand en graffiti? Pour que les gens un petit peu se rendent compte de... J'ai commencé en 98. Ouais, 98, j'avais 17 ans. 98, ouais. Et tu as commencé un peu comme tous les graffeurs le font, aller peindre partout où tu pouvais. Ouais. Mais pas comme tout le monde non plus, quoi, quand même. Je faisais des personnages dans mes lettres, quoi, déjà, dès le début. Et tu as commencé avec ces suppos ou pas du tout? Ils sont venus quand même. C'était pas encore ça, mais il y avait déjà un peu des personnages avec des yeux chelous. Il y avait déjà un petit peu de l'identité que tu as maintenant. Déjà qui est... suppos, ouais. Ouais, ça s'est découvert, ça. D'accord, donc ça fait quand même un moment. 13 ans. Comment, déjà, la question de base, comment tu as vu évoluer, toi, le graffiti au niveau national, voire international, et aussi, plus, ce qui nous intéresse plus, local. Donc Nîmois, Gardois... Ça se développe tout doucement. Ouais, toujours. Ouais, toujours assez doucement, quoi. Enfin, l'occasion de montrer un peu du boulot dans un autre contexte que des friches, des lieux où il n'y a pas l'occasion que ça soit vu, justement. Quand enfin, ouais. Je trouve que c'est l'occasion de... Mais après, on en parlait hors interview hier autour d'un café, on a quand même une scène locale très vivante. Ouais, il y a quand même du potentiel sur Nîmes, avec plusieurs styles, des gens qui font des fresques, des gens qui sont actifs sur le terrain. C'est assez éclectique. Donc des choses à faire à l'avenir. Ouais, il y a des choses à faire, c'est clair, il faut le développer. Bon, on va revenir au concret, à l'expo. Donc tu peux nous dire quelques mots sur l'expo, alors peut-être pas parler des tableaux un par un, mais un peu sur le travail que ça t'a... Sur la thématique du festival, donc je suis parti sur New York, j'ai fait une petite série déjà sur le thème du hip-hop, avec un petit peu toutes les disciplines et tout. Il y a 4-5 pièces comme ça, de cet univers-là, avec les poubelles, les blocs, les platines. Et ensuite, j'ai étendu ça sur les États-Unis et au final, comme d'hab, un peu sur la société de consommation et l'individu que tu aimes beaucoup. Ouais. Voilà, un sujet que j'aime beaucoup, l'individu dans cette société. Comme il me dit, l'avenir, ça dit quoi pour toi en tant que Chaos ou Suppos Chaos? L'avenir, je vais toujours continuer. Hein. De toute façon, j'ai eu besoin de personne. Plus il y a du monde, mieux c'est. Ça commence à se développer, il y a plein de petits contacts, des nouvelles expos. Travailler avec de plus en plus de monde. Élargir le champ d'action, quoi, maximum, quoi. Sur Nîmes, je crois que c'est vraiment la possibilité, quoi. Et un petit détail, le canapé, il vient d'où? Si tu peux le canapé, ouais, parce qu'il y en a plein qui bloquent dessus, et il a une canapé, c'est le canapé d'enfance, quoi, en fait. Ouais, il est là depuis que je suis né, quoi. Donc, un petit clin d'œil au papa qui a changé le canapé, quoi. Obligé, quoi. Bon, mais Gauss, merci. Direct. Step up time, step up.